voisin, remplit son prénom de Germain, représente pour moi dans l'être humain tout ce que j'ai haï au cours de mon humble vie. Il est arrogant, malveillant, pénal et médisant. Des mots que j'ai conchiés, mais depuis bien longtemps. À toi qui ris. Chose très regrettable, vu que ces discussions prenaient à fond le pognon. Ça m'a fort dérangé, il fallait le recadrer. J'en rêvais, il est vrai, lui dire ma façon de penser. Son passé, sa vie mentale, il ne se réfère qu'à lui. Il n'a aucun plaisir à venir, juste ses maisons à finir. Ayant pour cause perdu sa santé, à ramasser tout ce blé. Aujourd'hui il perd tout son blé, à se refaire une santé. Impulsif et sans cœur, à sa gentille femme, il fait peur. Je donne vite et beaucoup, c'est mon grand défaut, j'avoue. Chanter il y a quelques temps, je resterai vigilant. Va croire que le naturel part au trou et revient au galop. Cette histoire, ma foi, m'aura fait comprendre ça. Je dois arrêter d'être con car peut vivre une passion. Ce fut la dernière soirée, je n'en suis pas fâché. Ma compagne l'avait senti, et un soir m'avait dit: il est identique à la majorité, un menteur et intéressé. Il ne pense qu'à lui, devenant con au whisky. Aucun regret à avoir, Loulou. En fait, on s'en fout. Encore une fois, Thierry. Ça, c'est du rock. Et mon Thierry, le basu de voisin. Ah, putain, j'ai un basu de voisin. Alors, moi aussi, je sais le faire, ça. Rock and roll. Voici, me voilà.
Salut mon ami. T'es là? Tu es là? Oh, y a quelqu'un? Ah, te voilà. Je pensais t'avoir raté, ça m'aurait embêté. Je voulais te parler de ma prochaine écriture, Lettre à toi. Pour ce morceau, j'ai fait appel à David Giacomino, mon poteau, et tous ses armons. 280, une valise énorme. Ne rate pas ce rendez-vous, car, surprise, passe une bonne journée, une très bonne continuation et à très vite.